tu viens passer la route? Oh, l'arrêté des neige qui envoie un feu d'artifice. Incroyable. Pour le dernier live. Mais attendez, j'ai filmé. Oups. T'as filmé le compteur? Non, j'ai filmé la voiture devant. Bon, après, les joueurs regardent la story de Dwayne, ils la voient. Hein. Ouais, mais justement, fallait pas leur dire. Ah. Bon, bah, y en a qui. Bon, bah, voilà la surprise. Je voulais attendre. En avant-première. Non, ma gueule, j'ai pas pris ça. Moi je suis pas attaché, ça va sonner. Là les gars, je vous explique, je suis fatigué mais comme la mort. Ah bah vous mettez. Ça fait un shooting quand même. Fatigué. Deux les gens du live. Elle est incroyable, elle a l'air dingue. Ouais, par contre. Attends ouais. De regarder plus près. Ah ouais, Chris. Pourquoi? Tu vas. Vas-y, on en parlera en off, Chris. Ouais. Ah ouais. Mais il est trop tuning de faire ça. Oui, il veut se prendre la main. Je pense qu'il fait pas exprès en vrai. Il fait pas exprès. Non, je te jure, je pense que c'est. Il est pas mon golasse, non. Genre, je pense juste qu'il. Si, je pense qu'il est juste le temps d'avoir acheté une Mustang. Le vie, c'est pas dosé. Là, je pensais que tu l'avais pas fait en SF. Ouais, si, si, tu m'as fait un signe. Si, si. Bah, j'ai la. De toute façon, la rediff. Incroyable. Ouais, la glissée, là, ça fait 4 fois qu'il glisse. Après, c'est peut-être parce qu'il y a des plaques. Ça me fait plaisir de te voir, frère. Ah. C'est la ceinture qui sonne ou pas? Ouais, mais il n'y a pas de ceinture, on a ouais. Ça va, Quentin, mon ref? Ça va, la route, il s'est bien passé? J'ai dormi. Combien de temps de route? 3 heures. Il a déjà mis sa petite peluche sur les roues. Ouais, il a dormi tout le tour. Je suis léger. Chris, on parle bagnole. Là, il y avait Fippo avec nous. Ouais, il était avec nous. Impeccable.
fait un signe derrière toi. Anthony. C'est bizarre. S'ils vont racheter. S'ils vont pas dire ça, c'est des merdes. Si, ils vont pas dire ça. Il y a un match chez Siroc, non, Maxtos quand même. Putain, les clignotants, ils sont stylés. T'as vu comment c'est stylé les clignotants? Ils sont même pas orange. Il y a le bruit du cheval au pas là. Non, non, non. Ouais, avec le clignotant, tu à l'intérieur. Ça, c'est dans les toutes dernières. Ça. C'est pas la toute dernière? C'est quoi? C'est pas la toute dernière. Normalement on sort avec tout le monde. Non, je te parle du live. Ah. Il y a des trucs sympas. Ouais, il y a des trucs sympas dans le live. Non, beaucoup de féfé. À part nous. Beaucoup de féfé, ouais, classique un peu, ouais. Bon. Frère, on est sorti avec 4 féfé, on a fait un combat de 4 féfé, il n'y avait personne. Ouais. Vraiment, il y a... Ah mais c'est vraiment mort, hein. Ouais, hard. C'est devenu mort d'un coup. J'ai écrit à Descartes Potter, je leur ai dit les gars, venez filmer, on arrive avec 4 Ferrari, ils m'ont dit on dort. J'étais deg. Il y avait quoi comme féfé? On avait la SF 488 Pista, F8 et 512. Frère, tu sais que je crois que j'ai jamais vu Edwin aussi éclaté de ma vie, frère. Il est fatigué de fou là. En même temps, ça fait 12 jours, il dort quoi. On dirait qu'il a 15 kilos de drogue, frère. Gros, le mec, il est dommage. Ouais, il y a une petite féfé qui est sur la vie. Il y a une petite 488. Ouais, bah, moi, c'est pareil, frère. Hein. J'ai dormi là. On a parlé sur Insta. Là, hier, tout ce que t'as dit, ça a servi à rien, mon bref. Que Dieu me pardonne, mais frérot. Que veux-tu? Frère, toute ta prévention d'hier, elle a servi à rien. Tu m'as dit, ouais, fais gaffe. Oh, elle est belle. Mais il est reparti à faire un tour. Il a laissé des voitures. Il fait quoi? Il y a le mec de la reine. Ah, il a pas envie de se poser là. La surprise, qu'est-ce que vous en pensez, la surprise? Il y en a qui sont déçus parce que ça fait longtemps que vous attendez. Il y en a qui kiffent, vous avez kiffé le son. Salut. Ça va? Ça va. Toi, ça fait longtemps que t'as pas vu le son. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Voilà, c'est bon. Ah, c'est confort à l'arrière? Ça va. Ça va? Ah là là, elle est magnifique, franchement. Elle est belle, hein. Ouais. Et c'était comment la route? C'était hyper confort. Confort? Et t'as vu, il y a des commentaires quand même, ils sont. Non mais certaines personnes sur le live, honnêtement, je trouve ça honteux, vos réactions, vraiment. Et ça fait, en fait, ils se disent. On a attendu autant de temps pour ça. Non, mais ça craint quand même de dire ça. Genre, je veux dire, on parle d'une voiture qui a une somme quand même assez élevée. Ah bah oui, on n'est pas sur une Clio 2. Ah, mais clairement, clairement. Elle est magnifique. C'est pas parce qu'on est à Monaco que tout le monde a des chirons. Là, t'as une vraie caisse. Non, mais c'est ça. Là, t'as une caisse de fou. On a tiré après les pilotes. Les gars, il a speech, elle vous fait la présentation. Mathéo, je le fume. Ça fait péage, mon gars, ça a tiré sa mère. C'est du faux, je l'arrache. Tu sais que c'est, tout ça c'est du carbone. Il est pas en mort. Ouais, ça c'est du carbone. Et t'as des éléments que t'as vu que t'avais pas vu en photo? Non, ça va. Non, la Mavant, je l'ai pas surprise. En carbone. La Mavant, elle va être en carbone, j'ai tout changé. Là, ok. C'est quoi ces projecteurs? Ouais, par contre, sur la caméra, du coup, ça fait vert un peu. C'est vert la voiture? Ouais, l'éclairage il fait vert. Allume les feux à la limite, Edwin. J'ai même pas les clés, c'est tout. Allez hop, la voiture elle se ferme toute seule. Ah, les trucs. Ça s'interdit, c'est bien, moi. À l'arrière, elle est trop énervée. J'adore les clignotants.
Par contre, toi, ça se voit, t'es éclaté. Là, j'ai dormi 3 heures cette nuit tellement j'étais excité. Bah ouais. J'ai trouvé les papiers ce matin. On a fait 4 heures de route à l'aller et le retour pareil. Elle est trop belle. T'as vu les feux dynamiques? Ouais, quand il fait clignotant. Ouais. Ouais, on a vu ça derrière. Que ça, ça a été une surprise pour lui, il savait pas. Parce que normalement, il n'y a pas sur ceux-là. En France, normalement, c'est pas les. Peut-être, ouais. Je sais pas. Si, mais juste il n'y a pas. Et moi, je voulais les installer, mais ça coûte 700 balles. Bah, ça m'évite de mettre 700 balles. Ah quoi. Bah nickel. Je les ai économisés dans le tableau de bord. Je vais mettre un grand écran. Ah ouais, à la place des aiguilles. Écran, ouais. Il y a, en fait, il descend. En gros, je vais vous montrer. Oh, l'écran. Ouais, en rouge. Ça fait tellement énervé. Ouais, changer la couleur, hein. Tout changer, hein. En gros, tu vois, l'écran, il est là. Et donc, ouais. Je vais mettre un écran qui va jusqu'ici avec le CarPlay. Ah ouais. Voilà. Le volant, il est dingue. En carbone. Oh, ouais. Avec le shift. Oh non. C'est pratique parce que les aiguilles là-bas, elles sont pas, tu sais, elles sont américaines. Genre en gros. Ah, c'est en maïs. Tu sais, t'es à 100 quoi. Ah bah oui. Donc bon. Et tu la trouves puissante pour son nombre de chevaux? Ouais. Ouais. Franchement, elle est balèze. Elle tire rien. Hein. Ça genre, part un peu ou pas? Ça glisse, mais en vrai, elle accroche. Franchement, j'ai pas encore fait dans la montagne, ouais, c'est tout à l'heure. Mais... Et t'as des modes de ouais. Conduite? Sport, sport plus. Et après, t'as le reste, t'as drift et t'as. Incroyable. Oh, ce soir, ils ont tapoté 1,5 million de gemmes. Putain. Un truc de fou. Et ils se languissaient tous. Non, c'est pas le volant original. Il a été changé. Il est pas en carbone de base. Ouais, ils disent que c'est une GT500. Mais bon, vas-y, elle a pas été à laver. Shelby. Il a fait comme ça, il y a plein de doigts. Cuir rouge, du coup? Non, c'est brun, ah, c'est mais brun. En soi, ça passe. Mais bon, ça avait prévu d'être changé. Mais tu vois, regarde, les traces, les. Le dégueulasse. De la même intérieur, hein, c'est pire. Hein. Et du ah coup, ouais. Je vais la laver après parce qu'en fait, on a les autocollants du. Ouais, tu l'as pas fait du coup. Bah non, bah on a perdu grave de temps en fait. Ils sont là, les autocollants. Ok. En rentrant, j'ai du boulot quoi. Oh non. Genre, ouais. Ouais, tu vas pas rentrer trop tard. Ok. Non, ça va. Okay, je me lève jusqu'à 5h. Ça va 13h. 8h de sommeil, c'est bon. J'ai 4h devant moi quoi. Ouais. Bon, 4 heures avant toi pour poser toi-même les autocollants. Du coup, c'était pas ouais. Toi-même à la base qui tu voulais poser. Si on va faire tous ensemble, mais au final, le mec, en fait, je suis arrivé trop tard. Pas trop coup, stylé, on a passé les trucs. Ouais. Ça sort du rétro? Ouais. Putain, il est en décalé comme ça? Ah ouais, excellent. Et du coup, là, je vais aller laver tout à l'heure. On rentre et en fait, il va nettoyer le filtre à air. Parce qu'il est plein de sale, il est boulé. Ok, elle le circule moins. Gueule un peu plus. Ouais. Et après, j'ai pendant qu'il fait ça, je vais poser les autocollants avec. Les autres. Et t'as des clapets, t'as pas de clapets? Pas de clapets. Il donc c'est silencieux. Hein. Combien d'années? Elle est silencieuse encore. Ah t'as les clapets. Ah tu vas les enlever toi. T'imagines avant quoi? Merci beaucoup Amstaff pour la casquette. Merci pour vos donations les gars. Bon, j'espère que vous kiffez. Merci beaucoup en tout cas la Reine des Neiges qui a envoyé un feu d'artifice tout à l'heure. Incroyable, en top 1 des spectateurs sur le live. Pourquoi il y a une peluche et une peluche comme ça? Faut la pas comprendre. La peluche qui était sur la Mercedes, ouais. S'est retrouvée sur la Mustang. Et la vente de la Merco ou pas? Il sait pas. Je sais pas ce que t'as ouvert là. J'ouvre le coffre. Ah bah attends, j'ai des coups. Aileron carbone? Ouais. Oh là, mais tous ces éléments carbone. Le petit 4 cylindres. 4 cylindres Renault. Je sais pas où c'est. Vers le bas, mets ta main vers le bas. Ta main vers le bas? Ouais, des fois c'est en bas le c'est truc. En bas ouais. Ah ouais. Vérin ou pas vérin? Pas vérin. C'est pas la taille de la 180. Oh là 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 là. Si ça va être changé, je vais mettre un 9. Ouais, il est dégueulasse. Quoi. Merci Madame Lampadaire. Ouais, je suis Lampadaire. La rentrée va laver. Je fais fonction, panneau solaire. Il y a tout à nettoyer. Là, on va nettoyer en rentrant en dessous. Là. Ah ouais. Ça, je vais le changer parce qu'il est un peu vieux. Et il y a moyen que je fasse une couleur dessus pour que on faire un beau. Bah ouais, tu le ressors, bah ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais ça, c'est Anthony. Celle d'Anthony, mais c'est pas Anthony dedans. Ça fait plusieurs jours que je la vois maintenant qu'il l'a récupérée. C'est un pote à lui qui va la vendre. Ok. Non. Ah ouais, c'est okay. Incroyable. Ah, il kiffe là. Waouh, la cathédrale. Ouais. Ah oui, il est chiant. On va tout laver en rentrant. Par contre, là, c'est vraiment un four.
Ouais. Il est sale en fait. Putain, genre, c'est énorme, frère, Patrick, c'est sympa. Je peux monter dedans? Oui. Oh là là. Là, t'as montré la... Ouais. À l'intérieur aussi. Ouais, l'intérieur, il m'a montré un peu, il voulait changer déjà. Il y a plein de changements qui vont arriver. Tu peux changer toutes les couleurs, forcément, ici. Ah, de ça? Ouais, même le compteur, tu peux changer, genre les... Les aiguilles? Ouais. Oh, trop excitant. Ouais, c'est trop stylé, tu peux être rose, vert, bleu. Tu crois que je peux monter ou pas? Oui. C'est tout, ça a l'air d'être propre quand même. Ouais, mais vas-y. Tu se dire, ouais, il y a Lila. Oh, on est quand même... Oh, les canapés. Ouais, t'as vu? Oh c'est là confort, là. Hein. Et l'arrière, t'es pareil? Non. Non, un peu moins. T'as là, on a dû... T'as envie de dormir, là? Le volant carbone. L'arrière, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre. Wow. Petite boîte auto. Ouais, c'est pas une voiture où tu te mets à 4, maximum 3, mais 4, c'est trop short. Là, on a dû... t'es serré, là, non? Ouais, on a dû baisser le siège parce qu'il a un rouleau avec tous les stickers. Ouais, il m'a montré. Ouais. Il va installer ça après, il est chaud. Le volant avec le... Normalement, c'est pas qui est ce plus, là. C'était la 488, je crois. Elle est plus basse, si. Ah, elle est dingue, hein. Ça, c'est incroyable. Le shift, là, il est incroyable. Ouais, regarde. Oh là là, le volant carbone. Attends. Aïe aïe aïe. Non, il est magnifique. Petite rajout de palette. Non, palette d'origine. Wow. Non, ah, c'est du... C'est pas possible, genre. De... Et la voiture. Ça, il m'a tout changé. Ouais, il m'a dit qu'il allait mettre un écran. Ouais. C'est fou. Ouais. Qui descend jusqu'en bas. Écran. Parce que ça, c'est un ancien système multimédia. Et lui, il veut un truc nouveau avec CarPlay et tout. Ok. Ouais. Ouais, pas mal de choses ont changé, mais bon, c'est... il a dit je mets 10 000 euros pour changer un peu tout. 10 000 euros pour du changement, ok. Pour refaire des rayures, pour ouais. Ajouter des pièces carbone, okay. Tout ça. Donc, Putain, c'est beau. Mmh. C'est beau, c'est beau. Le système audio, j'ai hâte que tu écoutes. C'est une dinguerie. Il y a un système audio d'origine ou... Mais je sais pas de quelle marque c'est. Ah. Ouais, mais c'est... il me semble que c'est d'origine. Parce que je crois qu'il n'y a rien de noté, c'est... Et ça marche... C'est un canapé, par contre. Ouais, par contre, c'est incroyable. Incroyable, les sièges en cuir. On est tellement bien dedans, j'ai envie de m'endormir dedans. Incroyable, j'étais 500. Et combien de chevaux, du coup? 550. Ouais. Sur un V8 de 5 litres. Ouais, elle fait un bruit, c'est vraiment abusé. Mais t'as vu, c'est confort. Hein. C'est mais confort. Tellement j'ai envie de plus bouger là. Ouais, ils sont tellement en bon état les sièges. Ouais, par contre, ouais, clairement. Elle a quelle année? 2016, c'est ça. Et après, il va tout changer, les lumières, tout ça. Tu sais, pour mettre des lumières blanches, en bien LED, plus ouais. Belles, ouais, des trucs bien plus modernes. Siège ventilé, siège chauffant. Si, bien sûr, il va changer. Ouais, j'ai testé. Oh, le siège chauffant, dinguerie. T'as déjà testé le siège chauffant? Ouais. Ah ouais, un peu froid tout à l'heure. Ah, carrément? Ouais. Ah, moi j'ai crevé de chaud. Moi j'aurais mis le siège ventilé à ta place. Ah bah il l'a fait, Edwin, il a trouvé que ça marchait très bien. T'as vu, on voit les petites aérations. Ouais, c'est ça. C'est ce que je regardais, je me suis dit avec ça, c'est obligé que. C'est en Tony, ça? Non, c'est une 488 ça. Au son. C'est une CFE. Écoute, j'ai des mauvaises oreilles. Ah non, mais ça se trouve, je me trompe. L'autre fois, je me suis trompé, c'était une McLaren. Oh, on était à la fin, il y avait une McLaren sur une dépanneuse. Une noire? Non, grise. Ah bah non, pas vu. Ah merde. Oh là 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 là. Est-ce que vous kiffez un peu le chat là? Je vois qu'il y a pas mal de messages, je suis désolé, j'ai pas tout vu. Par contre, moi j'ai abusé de la clim. Ah ouais? J'ai mal à la gorge, je veux que tout s'étendre depuis tout à l'heure. Faudra que tu montes le yacht aussi. Je sais que les gens ils aiment bien. Les petits yachts, ouais. Les yachts spotting, ils adorent aussi. Les détails. C'est dingue. Le kismé. Est-ce que c'est votre cam, les gens, ce genre de yacht? Et là-bas, il y en a un autre, mais c'est un truc de militaire, c'est pas non un yacht, c'est un explorer, c'est un truc pour les aventures, genre. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a un hélico et tout. Ouais. Genre, regarde, t'as les deux escaliers sur le côté qui montent, et t'as des. Franchement, les lumières sur les plafonds, c'est magnifique. Ouais. T'as un. Oh, le. Regarde le parasol. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le parasol. Putain. Mais c'est des bestioles qui vaut des millions. Ce qui est dingue dans les yachts, c'est que chaque détail est pensé. Et chaque yacht est tellement différent, il y a un travail complètement différent qui est fait bah, sur chacun. Et t'aimerais pas travailler sur des yachts? Non, j'ai une pote qui le fait, non. Parce que franchement, ça doit être pas mal. C'est hyper bien payé et ah t'as bah. Pas beaucoup de travail, mais le travail que t'as à faire, c'est quand même faire le ménage, passer ça, le souvent. Balai, te lever à 7h le matin et être là quand les propriétaires sont... Être à la disponibilité. Ouais, des... c'est ça.
te faire un peu de, bah, de boniche en soi, même si t'es pas maltraité. Ça rend vert avec la lune. Ah ouais? Avec deux lampes. Je prends le yacht. Explique-lui avec les deux gars sur la McLaren. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a eu avec la McLaren? Quoi, je sais pas. Ah oui, oui, pardon, les deux gars sur la McLaren. Oui, la McLaren, tu sais, la jaune, la, c'est transformée en 765T. Ouais. Tout à l'heure, j'ai filmé, il y avait deux gars qui étaient assis comme ça sur le capot. Mais non. Et moi, ouais, ils étaient en train de faire leur photo. Il y en avait un qui te faisait la photo, l'autre qui était posé comme ça, mais vraiment sur le capot, comme ça. Et du coup, bah, moi, je le filme, je lui fais, mais c'est sérieux, machin? Et là, je vois que ça dure. Je fais, vas-y, je vais voir le voiturier. C'est une blague. Je suis allé voir le voiturier, j'ai balancé. Et le voiturier, il aurait. Bien fait. Voilà. Bien fait. Imagine, t'as une voiture à, je sais pas moi, 300 000. Même, non, même t'as une voiture à 20 000 balles. Mais même, t'en ouais, n'importe quelle voiture, c'est pas la tienne, tu te poses pas dessus. T'as un vélo à 200 balles, tu te poses pas dessus. Bah ouais. C'est n'importe quoi. Merci à ceux qui ont envoyé la capture d'écran de tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du coup de la surprise? Je vais regarder les messages, interagir avec vous. 1, oh, par contre, ce soir, ils ont tapoté en masse. Hein. 1,5 million de GM. C'est une dinguerie du monde ce soir, sinon? Un peu, ouais, quand même. Pour le dernier soir, ils savaient que c'était le dernier soir. Oh. Et tout le monde m'a dit, tu dois être triste. Manquer, on va rouler dans Monaco, on ne verra plus. Ouais, mais je vais revenir le plus rapidement possible. Il faut juste que je remette des sous dans le portefeuille. Ouais. C'est ça le plus compliqué. Dis pas ça, les gens ils vont t'offrir des maxi cadeaux à 35 000 non, c'est pas ça. Je dis ça depuis le début de la soirée, c'est parce qu'en fait ils me disent, mais pourquoi tu pars, reste, machin. Mais c'est pour ça, je pars. Bah ouais. Je peux plus vivre. Il faut bien que je me nourrisse. Elle est trop trop belle. Ouais, on va la démarrer après. Faut que les portes soient fermées, non? Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Oui, il m'avait fait appeler. Ouais. Ah non, mais je sais, c'est le capot. Ah ouais, le capot. Ouais, c'est le capot. Dans la Dodge, l'autre fois, c'était le capot, ça marchait pas. Ok. Il va démarrer avec la clé. Préparez-vous au petit démarrage. Il démarre avec la clé. Ça marche pas avec la porte ? Attends. Incroyable cette option. Incroyable cette option. Alors, je tiens à m'exprimer. Moi, je trouve pas le start-up fou, mais alors quand il roule, c'est une dinguerie. Ouais, bah on l'a vu dans le tunnel. On était derrière, il y en a qui ont kiffé. C'est un bruit. Ouais. Et c'est con. C'est une boîte 6, non? C'est une boîte combien? Boîte de vitesse, je sais pas. Je sais pas. Bah, faut demander à Edwin parce que là, je sais pas si tu verras. Mais sur l'autoroute, c'est pas trop bourdonnant. Le son, c'est pas trop chiant sur l'autoroute. C'est hyper bien insonorisé, t'entends quasiment rien, à part juste vraiment quand t'accélères. Ouais. Et t'entends le bruit métallique, t'entends pas le bruit assourdissant qui te fait mal. Sept. Ouais, donc ça consomme pas trop. Ça va. On a fait l'autoroute, hein. Ouais. Ça va. Et du coup, à 130, ouais, t'entends le son, tu t'entends parler, tu sais, ça va. Ouais. La musique à fond. Ouais, bah, c'est ce que Lila m'a dit. Incroyable. Ouais, c'est ce que Lila m'a dit, le son il est incroyable. Il nous a suivi tout le long. Ah, il a bien tenu. Ouais. Et quand tu te rapproches, ça fait un bruit hyper grave. C'est... Ouais. Tu sais, ça fait comme un peu un bruit de classe G ou un bruit de. Je sais pas, de. D'AMG GTS quoi. Incroyable, il a ouvert la porte, ça a appuyé sur le frein. Ah ouais? Je sais pas si t'as fait attention. Ah, les clignotants. Les clignotants, ils sont incroyables. Ouais, j'adore. Ah, le son. C'est dingue.
Ah ouais, je suis sûr que tu veux plus encore. Ouais. T'étais obligé. Tu veux toujours plus. T'as vu le retour du costaud là-bas? Du costaud, le bateau? Le là bateau, le, c'est, tu sais que ces bateaux-là, ils peuvent pousser des... Ah oui, les gros trucs ouais. Là, ouais, quand ils sont tombés en genre, panne. Ils ou... sont tout petits ouais. Et ils peuvent pousser, tu sais, il y a un genre de plateforme pour construire la nouvelle île. Oui. Qui est souvent en mer, oui. Et bah ben, ça pousse la plateforme. Juste. Genre t'en mets un devant, un derrière, je crois, je sais plus. Et ça pousse parce qu'il n'y a pas de moteur sur la plateforme. Pourtant elle est énorme. Bah ouais, ouais. Mais j'ai, c'est les trucs qui font les créneaux pour les gros yachts oui. Là, qui ouais. Aident à faire des bateaux. Des... J'arrive plus à parler. Moi j'aurais vu un blanc sapin et puis j'aurais fait un trou de côté. Moi j'aurais pris dans un mur. Comme ça, j'ai des assurances. Incroyable. Incroyable. Pour ceux qui me demandent un tour, je sais pas, parce qu'il a fait plus de 7 heures de route aujourd'hui. Il est crevé, il a plein de choses à faire. Donc s'il y aura un tour, je sais pas si ça sera pas après le live ou dans la nuit. Je sais pas, moi aussi, il faut que je me couche pas trop tard. Demain, j'ai 6 à 7 heures de route. C'est des endroits sombres, ouais. Le froid, il reste froid. La lumière, on vient de le faire à l'instant. Il vient de faire des raves. Des raves. Il l'a acheté où En France. Mais elle est folle. Elle est belle. J'ai entendu gueuler de là-bas. Elle est belge, pourquoi plaque française? Elle est pas belge, Mathieu. Elle est belle, elle est pas belge. Merci Masco, merci pour toutes vos donations. Ouais, tellement aberrant. Un peu sombre ici, ce coin. Un peu dommage, mais magnifique. Elle est magnifique. Il vient d'aller l'acheter, les gars. T'as filmé la RS3? Non. Tout à l'heure, elle est passée devant en live. RS3. Les toutes dernières RS3. Avec la belle couleur. C'est le, du coup, ce n'est pas le Grinardo, c'est le gris. Ouais, ça, je sais plus comment il s'appelle. Ils l'ont remplacé. Il y a des paillettes roses dedans. Ah oh, ouais. Je pense que c'est pour apporter des reflets un peu. Merci beaucoup, la Reine des Neiges. Ce gris, il est magnifique. Ouais, mais ils moi, ont... j'appelle toujours Grinardo, mais il a changé de nom. Ouais, il est plus clair, Grinardo. Dommage que ça soit une fausse. Ouais, mais moi, j'aime pas ce modèle de RS3. Je trouve qu'ils sont tellement aseptisés. Genre, ouais. On dirait une A3 maintenant. Ouais, c'est vrai. Après, ça reste une belle voiture, c'est efficace. Mais bon, c'est énorme. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit coup de clé? T'as déjà vu le petit logo RS3 qui se... Non. Ici, là. Ça écrit quand il allume. C'est trop stylé. Ça écrit RS3. Attends, mais c'est trop stylé. Okay. Parce que la police, je crois, ils aiment pas trop les Américains en général. Ils aiment pas quand on stagne aussi, non? Ici. Je sais pas. Ça dépend. Les gens, RS3. Mais celle-là, elle est toute neuve. Bah, ça se voit, ça se voit. Il l'a eu genre à 2 mois, même pas. Oh. Genre, tu vois qu'il n'y a aucun défaut. Le mec, il roule tellement soft avec. Mmh. Mais donc, je sais pas s'il est là. Noir, les surpiqûres, je sais pas si elles sont bleues ou si elles sont noires aussi. Je crois que c'est tout noir. Hein. Ouais. Bah, c'est sobre. Non, ouais, c'est sobre, mais c'est efficace. Et regarde les pneus comme ils sont en bon état. Ah, regarde le RS3. Attends, mais c'est trop stylé. Je sais pas si on le voit. Si, on le voit, c'est trop stylé. À la caméra, faut. Bon, là, ça a pas fait la mise au point au bon moment. Mais en fait, ça écrit le RS3. Ouais. Regarde les pneus. On dirait qu'ils ont même pas roulé. Ah ouais. C'est avec dingue, les petits hein. Machins là. Ouais. Ça, ouais, c'est quand c'est tout neuf. Regarde, les étriers sublimes. Ah oui, vraiment, il la roule tranquille. Bah ouais, il vient d'avoir son permis donc. Ouais, ah bah oui, s'il a ça, il a 400 chevaux. En plus qu'elle soit neuve, il la roule vraiment très tranquille. Ouais. On était à la turbine, il roulait à maximum 70-80.
Après, il a bien raison. C'est bien parce qu'il y en a qui ils appuieraient direct et ils pourraient la mettre dans le. Par contre, peut-être ouvre-la avant qu'elle se referme toute seule. C'est pas à moi. C'est pas à toi. Hugo. Bon, bah, je. Tu vois, c'est refermé. Ouais. Je crois. Mais en plus, tu sais, quand t'es jeune, c'est pas bien de taper à mort dans les voitures parce que tu sais jamais comment te rattraper. Encore si t'as de l'expérience. Ouais, c'est ça, ouais. Mais faire attention. Mais c'est bien s'il fait attention. Ouais. Elle est belle en tout cas. On a deux beaux monstres. Ils sont proches de un 5 cylindres, un V8, 400, 550. Bon, t'as qu'à poser la question, question du soir un petit peu. Vous pensez quoi des dernières RS3 comparé aux anciennes générations, mais les dernières quoi, genre les 2019, 2020. Ouais. Je crois que celle-ci c'est les RS3 8. Je sais pas comment elles s'appellent exactement. 8P. Non, je sais plus. Je crois que c'est les 8P. Et avant c'est. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi. Ouais. Le modèle de cette RS3. Mais on en voit beaucoup à Monaco. Il y en a qui disent la RS elle bouffe la Mustang. Franchement, il y a des chances en vrai. Hein. Avec le poids, ouais. Avec le poids et surtout que ça c'est 4 roues, c'est plus léger. Il va niquer la batterie à force. Ouais, c'est mais il vient de la redémarrer avec la clé. Ah, il y en a qui. Non, la 8P c'est 2011. Alors, ah bah je sais plus. Quoi, du coup les anciennes, ouais, vous préférez. Peut-être. Je préfère les nouvelles. Nouvelles. Je kiffe la 2021. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Il y en a qui disent c'est dommage qu'elle soit en 5 portes. Mais les anciennes, elles étaient déjà en 5 portes. Attends, j'ai un doute là. Non, si, c'est bon, elles existaient déjà en 5 portes. Ouais. Elles n'existaient pas en 3 portes justement. Je sais plus c'est quel modèle, alors si c'est pas le 8P, je sais plus lequel c'est. Merci à tous ceux qui envoient, j'ai pas à remercier, merci. Là on la voit bien la couleur de la RS3. Ouais, comme ça elle est parfaite. C'est le 8Y. Ah bah voilà, merci beaucoup. RS3 8Y. Et du coup c'est 400 chevaux sur le 5 cylindres toujours. Ah, t'as vu, c'était fou. Kiffant la Mustang. Tu as le TikTok à Edwin. Je te laisse aller regarder Edwin, tout simplement, sur TikTok. Tu reviendras l'année prochaine. Bah, bien sûr, mais bien avant, je vais revenir, Emilien. Bien avant. Dans 1, 2, 3 mois, grand max, je suis retour à Monaco. Pas de soucis à ceux qui vont dormir. Moi, je vais pas tarder aussi d'aller dormir. Je suis bien fatigué. Demain, j'ai 7 heures de route, donc il faut pas que je traîne non plus. Je vais bientôt couper le live. En tout cas, la surprise, elle aura mis un petit moment à venir, mais en tout cas, elle est là, comme promis. Je vous l'ai promis. Il y en a qui ont pas été patients, du coup, ils sont partis. Donc là, je vais vous faire de belles images avec le téléphone pour vous mettre ça en story, pour montrer un peu la surprise aux personnes qui sont parties. Installe-toi à Monaco, c'est facile à dire, mais j'ai pas les moyens. Merci, Koalen. Et je vais me poser là. Et je vais vous dire. William, je pense pas qu'on aura un tour ce soir. Il est très fatigué. Edwin, il a fait plus de 7 heures de route aujourd'hui. Il a encore des trucs à faire. Il a des stickers à poser sur la Mustang. Merci beaucoup, la Reine des Neiges, qui envoie un donut. Elle est magnifique, quand même. Magnifique Mustang. Pour le dernier soir, qu'est-ce que vous en pensez? La surprise a mis un petit moment, mais qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour vos messages. Merci Daniel pour les roses. C'est quoi comme Merco? C'est pas une Mercedes, ça c'est une RS3 8Y, les toutes dernières Audi RS3 avec le 5 cylindres. Là-bas tu as une Mustang GT500 avec 550 chevaux. C'est quoi la surprise? Bah c'est ça, c'est la Mustang GT500 qui vient d'arriver il y a un quart d'heure, 20 minutes déjà maintenant. Et je vais vous la poster sur les réseaux juste après le live. Et pour un dernier live, je sais pas si on est loin des 1,6 million pour terminer le live. Moi je vais me poser par là, avec une vue d'ensemble. Propre la Mustang, bah voilà.
tant mieux si vous êtes content. Il y en a qui n'ont pas été contents, tant pis pour eux. Une surprise, c'est une surprise, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui ont voulu viser que j'ai mis la barre trop haute ou pas assez haute, je sais pas. Merci la Reine des Neiges. Pourquoi il met des stickers? Parce que demain, justement, il part en Espagne, petit Edwin. Du coup, il a de la route. Moi aussi, j'ai de la route. C'est pour ça qu'on va pas traîner. On va rentrer. Donc, avant qu'il parte, Edwin, je vais faire des plans de sa voiture pour vous poster ça en story. Ciao, merci Rock. Bonne soirée à vous. Merci Custom. Merci la Reine des Neiges. Merci Lucas pour toutes vos roses. Merci beaucoup, les gars. Je sais pas si vous êtes loin des 1,6 million de j'aime. Je suis sûr qu'on peut le faire avant de couper le live. Ça serait incroyable. Je réponds à vos dernières questions. Merci Custom, merci la Reine des Neiges. La Reine des Neiges top 1 des spectateurs sur le live, t'es vraiment la bosse. J'espère que vous serez présents dimanche pour le prochain live dans un événement. Mais là, c'est le dernier de la série à Monaco. Un live demain, non, malheureusement, je pourrais pas faire de live demain ni samedi, ce sera dimanche dans un événement proche de chez moi parce que ça y est, les vacances à Monaco sont terminées. Donc maintenant, il y aura plein d'événements. Merci pour cet été de folie, merci à toi Lucas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette série. Vous êtes incroyable, bon retour Siroc, merci Emily. Ah, des smileys qui pleurent, bah ouais, moi aussi je vais pleurer quand je vais partir. Vraiment triste, et ouais, c'est ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Tu reviendras quand à Monaco? Très rapidement, je vais essayer. Bon courage pour la reprise, merci. Bah, bon courage à vous pour ceux qui reprennent demain ou la semaine prochaine. Moi, je reprends lundi. Merci Lamborghini qui envoie plein de roses. Merci beaucoup, les gars. Les gars, les filles, merci tout le monde. On va pas te lâcher, t'inquiète. Bah, heureusement. Bon retour, Siroc, et bonne nuit. J'ai vu, je crois, le message. Il est parti trop vite. Et bonne nuit et à dimanche. Bah, merci beaucoup, Dark Shadow. Je t'ai ajouté sur Insta, ouais. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ajoutent sur Instagram, hein, r-siroc pour ceux que c'est pas encore fait. Vous n'allez pas le regretter, c'est là où je suis plus actif. Et après c'est sur YouTube, hein, si vous voulez voir toutes les rediffusions des lives, c'est sur YouTube que ça se passe. Merci Isa, merci Daniel, merci pour vos donations, vous êtes au top. Les lives tardives à Monaco, vous me manquez. N'inquiétez pas, il y aura d'autres lives tardives, mais dans des rassemblements proches de chez moi. Avec peut-être des runs, des courses, je sais pas, on verra. Bon retour et à bientôt et à très vite, ouais. À dimanche surtout, pour ceux qui sont là. Merci à ceux qui m'ont ajouté sur Insta, vous êtes au top. Merci Théo pour la donation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, je vais couper là dans quelques minutes. Ça fait 4h50 que je suis en live, ça va bientôt faire 5h. J'ai plus de voix, je suis crevé. 100 000 merci. Est-ce que du coup... Les 1,6 million, on va y arriver. Merci beaucoup Lamborghini. À dimanche encore, merci à toi, merci Amy, t'es toujours au top, la modératrice. Merci à Amy qui partage mes réseaux. Vous êtes incroyable, vous êtes trop géniaux. Faut que j'aille chercher ta caisse. Faut que j'aille chercher ma voiture, elle est là-haut, ouais. Faut que j'y aille là-haut. La surprise, c'est ça, Mani. Mustang préparé esthétiquement Shelby, mais c'est une GT500. Oui, on tapote. Ah bah, si vous tapotez tous, les 1,6 million vont arriver. 500 000, merci. Merci à toi, Joël. J'ai pas trouvé l'Insta d'Edwin. Tu regardes dans mes abonnements Instagram, tu tapes Edwin et tu vas trouver. Ou alors, tu as des posts que j'ai fait avec Edwin à l'époque. Heureux de t'avoir écouté pendant ces quelques jours et heureux de te retrouver par la suite. Merci beaucoup le Guy Riek, Jean-Jacques. Merci bien. C'est ça, V8 5 litres. Le soir, c'est une habitude que j'aille sur tes lives, ça fait trop plaisir. Tu vas nous manquer, mais non, c'est pour quelques jours. Merci Lucas, voilà, qui partage les réseaux d'Edwin, le proprio de cette Mustang. Vous allez la revoir, la Mustang. Je suis pas sentimental, mais des larmes aux yeux à cause de toi. Arrête, je te crois pas.
Je te crois pas. C'est pas comme si c'était mon dernier live de TikTok. Hein. Il y aura plein d'autres lives proches de chez moi. Hein. Et déjà dimanche, il suffit d'attendre 2-3 jours. Parce qu'on est déjà vendredi là. Déjà dimanche, après-midi, il y aura un live dans un événement proche de chez moi. Merci à toi, Sully. Non, non, mais t'inquiète, même s'il me laisse en plan, je leur en voudrais pas. Moi, ça me laisserait marcher tranquillement, passer par le casino, m'acheter un truc à manger, remonter à la place du casino pour aller chercher ma voiture. Mais t'inquiète pas, ça va se passer comme ça. Il y a 3 voitures, il y en a au moins une qui va repasser par la place du casino. Dimanche, chez mon ami, va bah nickel, Nat. Tu seras servi. Merci, ouais. On a gagné pas mal d'abonnés, vous êtes incroyables. Ce mois d'août a été incroyable. 107 500 abonnés et 1,6 million. Merci, merci, merci. 1,6 million de fois. Vous avez tous tapoté jusqu'au 1,6 million, ça y est, c'est fait. Vous êtes incroyables. C'est incroyable. Merci d'avoir occupé nos soirées, tu es au top. Merci Flox, merci pour vos messages. Et je vois qu'il y a plein de personnes qui sont sur Instagram qui m'ont ajouté là. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur Insta. J'ai mal aux pouces maintenant. Bah reposez vos pouces. De nouveau dimanche, préparez vos doigts pour dimanche, reposez-les. Allez, on va couper. Je chiale. Attendez, quand même pas. Je chiale. L'habitude du live du soir avec Binouz et Popcorn. Oh non, Mike. En plus, regardez, je suis posé là. Vous voyez mon ombre. Je suis posé tel un aigle en train de vous répondre. Ça va grave manquer. Mais ne vous inquiétez pas, les lives vont continuer. Ils vont continuer. Merci Xavi, bonne soirée à toi et bon courage pour la route demain, merci bien. Merci à toi, tu as été génial. Ça va être dur dur, t'inquiète pas Nathalie. Merci, merci pour ton message. T'es super, merci pour vos messages. J'ai trop, trop de cœur à envoyer là, vous êtes incroyable. Plein de cœur, merci Amy. Mais non, arrêtez, vous êtes en dépression, vous arrêtez, vous exagérez un peu là. Si vous voulez parler, c'est sur Instagram après. Ne inquiétez pas, tous les jours, je suis sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Là, c'est place au TikTok maintenant qui vont arriver sur le TikTok. Et les lives de temps en temps, au minimum une fois à deux fois par semaine. Miaou. Un des derniers miaou. Merci Guillaume pour les TikTok. Allez, c'est 1h30 du matin dans une minute. À dimanche pour ceux qui seront là en live dimanche après-midi. Merci Guillaume pour les 10 TikTok. Tu vas revenir quand sur Monaco? Très très bientôt, dans 1, 2, 3 mois, je sais pas. Je peux pas savoir à l'avance, il faut juste que je remette plein de sous dans le portefeuille pour revenir à Monaco. Donc il va falloir un peu de temps. Un cœur général, merci Lucas. Merci tout le monde. Allez, c'est 1h30. Miaou. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. On se revoit sur Instagram tout de suite si vous voulez parler. Ou sinon, on se revoit très très vite en live à partir de dimanche après-midi. Ne vous inquiétez pas. Merci Mike. Les blondasses, c'est mon dernier TikTok. Je pense que ça vous a fait rire. Les petites blondasses. On les a revues plein de fois ce soir. Ils étaient trop marrants. Merci Thierry. Merci JY54. Tu pars? Oui, je pars demain, Junior. C'est pour ça, là, il va falloir que j'aille me coucher. Rentrer, déjà récupérer ma voiture. Et pareil pour Edwin, il part. Il a beaucoup d'heures de route demain. Donc on va pas rester trop longtemps. Et c'est pour ça que je vais couper le live pour faire de belles images de la Mustang et vous poster ça en story sur Instagram. C'est pour ça que je vous demande de venir en story sur Instagram. Merci beaucoup, Isa. Trop généreuse. Un cœur dans les mains. Isa, Ivana, merci bien. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Un gars avec un grand cœur. C'est vous qui avez un grand cœur. Vous êtes incroyable. Je te laisse à plus sur la route de la vie. Quelle belle phrase, c'est beau. Et la Mustang GT, le bruit. Bah, le Junior, on l'a entendu plusieurs fois, la Mustang. On va peut-être encore l'entendre sur ma story Insta, peut-être. Ça va me manquer, bah ouais. Mais inquiétez pas, dimanche après-midi. J'ai l'impression de me répéter. Mais c'est pas grave. On se retrouve sur Insta tout de suite. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit.
RS3 à droite, oui, c'est une RS3 8Y, les toutes dernières Audi RS3. Merci pour tous vos cœurs, vous êtes géniaux. Allez, on se retrouve dimanche en live dans un événement très très sympa. Oh là là, tout pour tous vos cœurs, mais moi c'est moi qui vais chialer là. Plein de cœur pour lui, vous êtes incroyables. À bientôt, bonne nuit à dimanche. Bonne nuit, bonne soirée. Salut de Belgique et ben salut de Monaco. Une dernière fois de Monaco. Bonne soirée, bonne nuit. Vous êtes des amours, mais vraiment, tous ces cœurs. Oh là là, je m'en souviendrai de ça. Merci, à très vite. Ciao, ciao. J'ai même plus envie de couper le live. Je pars à quelle heure demain ? En début d'après-midi. Bonne soirée, ciao, ciao. Oh là là, tous ces cœurs, incroyable. Bonne nuit. Miaou.